Nostradamus a crypté son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme, et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays ». Et ensuite il avait repris la même chose mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet ». Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme. Il lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inril II, et le nomme de différents noms, car le cryptage de Nostradamus a quand même ses limites. Voici donc les messages que Nostradamus laisse à cet homme. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Il sera bien évident que Nostradamus n'a pas crypté son œuvre afin de nous transmettre une recette de confiture. Ce qu'il désire nous confier concerne plusieurs événements. Il annonce l'avènement d'un homme qui rétablira une certaine ouverture d'esprit, mais surtout incarnera la lucidité sur le devenir de l'homme. Car connaissons-le, en continuant comme nous le faisons actuellement, la planète sera avant 30 ans une gigantesque décharge, un tas d'ordures. L'homme doit revenir à des lois naturelles et plus simples, où chaque individu doit être responsable de son environnement. À l'heure où notre pays de France risque de changer de religion à cause de la négligence gauloise, nous sommes à la veille d'un vaste conflit humain où les derniers entrés chasseront les anciens. Les flux migratoires vont créer le grand malheur de la France et de l'Europe, car les invasions ne se font pas uniquement qu'avec des armes. L'homme qui vient chassera toute ambiguïté, tout en respectant chacun. Et peu de temps après surviendra un drame mondial. Alors prions pour que les forces du bien triomphent du mal qui arrive lentement au sommet. Nostradamus avait inscrit des passages bibliques dans la lettre adressée à son fils César. Ceux-ci ne seront que des marque-pages. En effet, le paragraphe inscrit servira de repère. Par contre, les passages qui suivront dans ce livre saint seront les véritables messages, renforçant le dialogue avec ce qui ne pouvait être exprimé dans cette lettre laissée à la vue de tous. Voici un des passages bibliques au contenu assez éloquent et assez indicatif. Il écrit dans la lettre à son fils « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas de perles aux pourceaux, de peur qu'après les avoir piétinés, ils se retournent contre vous et vous dévorent. » En cherchant dans la Bible à Matthieu 7,6, on trouve ce passage biblique. Mais le plus intéressant sera le passage 7,7 qui suivra, où il est écrit « Demandez et l'on vous donnera. » Et ensuite plus loin, c'est « Cherchez et vous trouverez ». Donc d'après cette phrase, il y avait bien quelque chose à chercher, donc à trouver. Mais surtout le début de la phrase « Demandez et l'on vous donnera ». Il est vrai, Nostradamus l'écrit 100 fois dans les quatrains, il faut demander pour obtenir la lecture des quatrains. Les textes de Nostradamus, il fallait simplement les demander. Voici la seconde citation biblique contenue dans la lettre à César. Tu as caché ces choses aux sages et aux prudents, c'est-à-dire aux puissants et aux rois, mais tu les as révélées aux petits et aux faibles. Ce passage est inscrit à Luc 10, 21. La révélation du passage 10-22 laisse la perspective d'une pensée spirituelle. Voici ce passage. Voici donc ces deux passages bibliques troublants. Luc 10-22. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Mais par contre, nous avons un passage à Luc 10-24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Ces deux paragraphes assez mystérieux
semblerait compléter ce que nous venons de découvrir jusqu'à présent. Le premier passage biblique est une relation entre père et fils, exactement comme entre Nostradamus et son fils César, qui, je le rappelle, la lettre n'était pas destinée, mais destinée plutôt à un fils spirituel. Et la deuxième est une relation entre Dieu et son fils Jésus-Christ. Le second passage biblique montre qu'à travers les siècles, beaucoup de personnes auraient aimé voir et entendre ce style de révélation. Nous n'envisageons pas la chance que nous avons d'avoir Dieu à nos côtés au cours de ce siècle, pour les moments difficiles. Afin d'éclairer une partie du mystère, nous sommes contraints de retourner au quatrain numéro 11 pour un dernier élément que nous n'avons pas expliqué. Cœur, pieds et mains. Cœur est composé de 5 lettres. Pied, composé également de 5 lettres. Main sera également composé de 5 lettres. Ces 3 fois 5 lettres nous donnent le chiffre 15. Et c'est au 15e quatrain, à la 4e ligne, que nous allons découvrir une phrase. Cette phrase, une fois inversée, révélera son contenu et ne comportera que 3 fautes d'orthographe. Cette ligne s'adresse à cette personne qui vient dans l'avenir. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots. Re, ten, dendron, vous, Henri, de, qui, us, c, plus, et. En 1, ré sera itératif de recommencement. En 2, t'entendron, t'entendre à nouveau. En 3, vous, il manque le s, apocope de s. Il y a vouvoiement. En 4, Henri est écrit sans le H. L'analyse sera plus profonde au chapitre suivant. 2 également, l'analyse sera plus profonde au chapitre suivant. En 6, qui, toujours pareil, Q plus U et I pour U égale V, que voir. En 7, UX, X égale S, US et coutume. En 8, C dans le sens de savoir, phonétique de C. En 9, plus, le P représente le pouvoir, l'U représente la lecture, le US sera l'usage et le mot entier plus. Pouvoir, lecture, usage, plus. Et en 10, E se transforme en est avec syncope de S pour être, qui sera plus. La fin de cette phrase exprime à elle seule l'être qui de tous sera plus. Nous allons maintenant découvrir qui sera réellement Henri le deuxième. Nous allons maintenant nous servir des points voyelles et démontrer leur fonctionnement en colonne. Dans la colonne, vous avez les voyelles qui apparaissent A, E, I, O, U, Y. Maintenant, nous installons Henri. Nous supprimons le E et nous mettons N-R-I devant chaque point voyelle. Nous obtenons Henri, Henri, Inri, Onri, Unri et Inri. Deux, D'apostrophe EUX, perle apostrophe, définira le mot deuxième. Ensuite, deux, perle apostrophe, le X devient un S pour deux. Ensuite, deux, en latin, indiquera divinité, dirigeant, chef du troupeau. Cet homme qui vient dans l'avenir sera assimilé à Inri le deuxième. Il sera la divinité, le dirigeant, le chef du troupeau. L'acronyme Inri désigne Jésus le Nazaréen, roi des Judéens. Ces 4 initiales confirment bien le message de retour de l'Esprit Saint. Nostradamus lui produit de nombreux conseils dans les quatrains. Nous venons de voir le message laissé par Nostradamus à ce fameux roi Henri II, second. Maintenant, nous allons voir ce que Nostradamus laissait comme message dans la lettre destinée à ce fameux roi Henri II, second. Il dit
jusqu'à l'advènement qui sera après, au commencement du 7e millénaire. Depuis 10 ans, nous sommes entrés dans le fameux 7e millénaire. Ensuite, il continue, il dit « Le tout a été composé et calculé en jours et heures d'élection et bien disposé, et le plus justement qu'il m'a été possible. » Pendant longtemps, l'auteur des Centuries a douté sur les origines d'un être très souvent présent dans ses visions. Il ne savait pas si celui-ci était un homme, un ange ou un esprit. Et subitement, il fut éclairé et transporté devant cette personne. Il la décrira ensuite comme étant le premier monarque de l'univers. Nostradamus prédit l'avenir de cet homme et lui dédie les 3 dernières centuries. Mais celui-ci ne restera que peu de temps. Son règne sera de courte durée, mais n'en sera pas moins marquant pour l'humanité. La lecture de certains quatrains, ainsi que la lecture de la prose, nous éclaireront davantage sur la personnalité de cet homme. Voici le décryptage du quatrain 17 de la première centurie. La ligne écrite en bleu. La planète connaîtra les heures de terreur. De votre époque, j'ai rarement déraisonné. Votre époque est aride à toute idée que Dieu soit à l'intérieur de ces textes dont le laps de temps est prévu. À l'intérieur, mon fils, fut faite la citation dans cette connaissance que les cités posséderont par cette thèse. De tes essais de la connaissance, il faut croire en la royale croix. Ce sera la règle et la mesure ici même qui fera cet art. Les râles et la terreur ici seront les heures déraisonnées de la planète. En deux, la planète aura l'art de cette connaissance, les règles et les mesures croisées. Ici même fera cet essai et savoir la citation que l'on te fit ici, mon fils. Tu connaîtras les scènes par ma foi en Inri le deuxième. De Dieu, cet art fut arrêté. L'ère des mots relatée en était pour la planète. Bien adapté et convenable, cet art sera pour la planète. Voici le décryptage du quatrain 21 de la première centurie selon le premier degré. Tu hérites des heures de ce savoir-faire. Ce sera pour toi des heures immaculées, inscrites de dispositions particulières pour la lecture du fonctionnement. Gilles sera la personnification de l'artifice ardu et difficile des sons de la prose. De cette scène tu es cité, tu as saisi le lien de cet art tressé et dessiné les traits du Messie deuxième. Méfie-toi bien, maintenant, d'un qui de ce code les heures touchera. Des heures que tu touchais hier, l'usage sera osé et hardi, constitué par de larges planches de pièces de poésie à côté, proche de l'époque dont le terme sera 2018. Et seul, Gilles, de cet art, tu détermineras l'heure, d'où ce thème par d'autres figures tressées, par l'usage tu feras les lignes. Tellement le nombre sera si grand, j'ai renié ce jeu des mots. 2018 représente le terme qui m'est imparti, afin de vous délivrer le message de Nostradamus. Voici le décryptage du quatrain 30 de la première centurie, la ligne soulignée en bleu. En 1, des conduites d'eau et des égouts alimenteront de nombreux élevages en ce temps. Satan sera tellement en ces années. Nettement, il t'a fait des signes qui furent figés. J'ai la naissance de la géhenne, ses usages d'aide seront cédés par Dieu dans les heures des rameaux. L'air des mots sera l'âme de mes mots. Les mots des hommes en ces heures ramés, de nombreuses mares parmi les hameaux, seront envahis par l'eau et les hommes palmeront. Le supplice marchera par les lames de la mer. La mortalité sera mise en ces heures marines. Les heures d'Inri seront mises et seront par le premier nom. En deux, le 1er mai seront mises les heures de la mer, l'époque du supplice, le pouvoir de la marche des eaux hautes. Vous aurez des rames, des mares et de nombreuses âmes vous aurez. Dieu m'a aidé, la durée de la vie par les déesses des usages sera la géhenne, fais-le mon fils. Ce temps satanique, tu l'auras en année. Nettement là, tu tiendras les hautes eaux à l'aube, les noyés. Le 1er mai seront indiquées les heures de la mer. Voici le décryptage du quatrain 49 de la première centurie, la ligne en bleu. En 1, de la connaissance, les hommes auront la coutume cédée de haut, et tu auras maintenant l'orientation. De la personne aux yeux hantés, nettement nous te parons par cet art parlé. Par l'air des mots sera le relais, là, en ayant l'aveu de Yahvé. Par les vers poétiques, les heures de vertu. Tu eus de cette lecture le premier air des mots, en ayant l'angoisse de recevoir la connaissance que les hommes auront. En deux, l'angoisse ira aux créatures, la haine de voir marcher cette lecture. Par la lutte,
tu as eu la volonté des vers poétiques. Tu verras ce rappeux pouvoir en ayant par cet art, en ayant l'air des mots pour parler de la lettre de l'époque d'Inri, le deuxième. L'idée du Très-Haut, cela sera la coutume de la connaissance de cet essai. Sire, tu iras par cette angoisse qui renaîtra en ayant ma lecture. Décryptage du 450 de la première centurie, selon le premier degré. De cet art qui est né, ainsi que la citation de cette lettre que tu as eue, en présence de ce cas, l'aide te fera cela. Ce jeu des mots ainsi que l'air que tu as fait à partir d'un art croisé. Le sens, tu fais et cela a pu être avec l'ange. J'ai résolu le bruitage phonétique. Cela te fait tellement penser à ce moment. Penser aux séries. S. Inri, 2, le Très-Haut. Pur, limpide et vrai. L'époque traitée est fixée par le compagnon. Décryptage du 450 de la première centurie. La ligne en bleu. Le pouvoir par cet art que tu auras par l'air des mots sera artistique. La planète s'arrêtera. La terreur sera en 16 heures. L'époque se comporte mal, sa conduite sera mise en accusation. En été sera le thème de la mer, en 16 heures les eaux seront haussées. Par cette coutume, tu auras le sortilège sur les hautes eaux. Ne restera rien, ni créature, ni personne, nulle chose. Les gens auront les yeux à l'intérieur des terres. Dans la naissance des scènes seront des tempêtes. Pour le thème de ce temps, l'époque sera émise. Le pouvoir de peste par les usages sera à l'est. Avec tes pouvoirs et parés de l'épée de cet art, l'époque sera arrêtée. La terre en 16 heures sera en terreur. En deux, et l'épée sera ce pouvoir de l'usage qui sera en tête. Le thème du temps sera émis par Mécène. Sera Inri le Très-Haut. De ces coutumes une fois assumées, pures, vraies et limpides seront les heures de la mer. En 16 heures d'été qui heurteront les êtres. En traitant cette accusation en été, la terre sera en terreur. Dans les montagnes, les heures et l'époque seront indiquées. Par ce pouvoir, en ayant cet art arrêté, les pouvoirs des puissances de paix seront en tête du thème du temps. Décryptage du quatrain numéro 16 de la deuxième centurie. Ce sera la ligne en bleu, et parmi cette ligne en bleu, vous avez un mot écrit en blanc, qui définit par la virgule un point consonne pour un deuxième S, pour indiquer le mot Messie. En 1, les haines auront des pouvoirs de plaie et beaucoup de laideur laissée dans ses usages. Ce sera les pouvoirs des supplices qui marcheront. Tu remets l'heure du Messie par ses usages ici même, par la connaissance de la lecture, pour laisser ses usages aux êtres. Sire, l'angoisse ira vers les races en faisant savoir la connaissance des usages de cette coutume, qui provoquera des haines. Le pouvoir des plaies sera laissé. En deux, par l'usage sera fait cet essai. La connaissance fera la certitude que les races auront en cette époque, ici même. Le ciel y fera l'élection par cette lecture en y laissant le sommet mis par le Messie. Ce qui mettra l'angoisse, sire, sera l'air des mots réels qui sera le relais par l'épée de ce pouvoir de pape. Les plaies seront laissées dans ses usages. Ce sera cela, l'année de naissance de cet essai, ce qui fera la certitude pour les races. Décryptage du quatrain 27 de la deuxième centurie. Ce sera la ligne en bleu. En 1, là sera l'aide par l'édition qui dira mes visions divines, qui viendront des premiers vers poétiques. Les heures du verbe par l'air des mots de Dieu. Les usages feront ces heures dans l'air des mots. Rapidement, tu auras les vers avec cette idée de mouvement. Ce sera le devoir du ciel, dont les yeux ont laissé faire cette époque rappeuse. Le pouvoir de la paix sera appelé par l'aide divine. Le pouvoir de la paix sera par l'épée de ce pouvoir, par l'obtention de cet art de l'air des mots, refait qui fera la certitude. La confiance dans ce jeu des mots, fait par les yeux du ciel et laissé dans le sud de la France, en ayant les idées de cet art, en ayant l'air des mots, sera l'époque du reflux de la mer. De Dieu sera indiquée la durée de l'existence en heure. L'air des mots fera revivre mes visions. Viendront tes premières visions en étant vides d'idées. Sera le délai ici pour avoir le pouvoir de faire la paix dans ce monde. Décryptage du quatrain 16 de la deuxième centurie, selon le premier degré. Par cet usage et ce pouvoir pris, cher prince, seront les scènes d'angoisse. Tu as honte de cette tonalité faite par ces lignes. J'ai tressé cette lettre sur l'est, la lettre de la prose du prophète.
qui fait ce pouvoir haut en cette grande année où je te donne cet art. J'ai par cette tonalité difficile qui est en existence, utilisé la ruse et l'habileté, avec l'expérience de ces années de tir fort et d'un tyran. Héritier, en ayant fait ce duo en mai, les scènes en main seront la lettre tressée, seule, presque facilement. Séant seront les usages des scènes prises. Les scènes, cher prince, par les lignes seront en année et feront la tonalité refaite. Sera le règne de l'ère des mots, haut en 99. La fondation de l'heure difficile de la phonétique, en l'ayant eu au front, nette par ce ton refait, haute pour cette époque trouble. Ce pouvoir obtenu sera ignoble et repoussant. Tout brûlera, bien et gens. La haine naîtra, ainsi que les pires angoisses. Par l'inspiration de cet art rougit le pouvoir des scènes faites en mai, ici même le Messie aimera. Décryptage du quatrain 38 de la deuxième centurie. La ligne soulignée en bleu. En 1, moi le mage, j'ai ainsi fait l'époque, ici même. Elle sera scellée dans cette lecture première, qui sera issue de l'aide de Dieu. Les hommes ont trop l'habitude de sévir. Nous avons les visions de la vie et les yeux sur les gens des Andes qui seront à l'heure des draps. En cette époque, les races auront la première fin. Cette première fin sera le sommet du mal, en ayant lentement la naissance de la connaissance des eaux hautes. Les hommes auront des mots proches. L'ère des mots remettra mon émission de mage ici même. En 2, le reflux de la mer sera remis dans mes émissions. Les mots viendront de la hausse des océans, à savoir des scènes de l'âme. L'âme du Messie sera en larmes. Il écrira l'angoisse de l'époque des Andes qui seront déviées. Cette vision de l'existence seront sous les yeux des hommes. La coutume de cette connaissance a été cédée par Dieu qui donnera naissance aux scènes scellées. Elle sera cette lecture. L'élu va émettre l'époque qui était dissimulée dans la partie grossière de l'expression. Ce sera comme une pierre précieuse. Décryptage du quatrain 84 de la deuxième centurie. La ligne en bleu, à l'envers. En 2, de cette étude, tu as les notes qu'il faudra défendre et protéger. Vous serez enveloppé par les eaux hautes. J'ai eu ce jeu des mots le premier, en ayant mis dans les vers poétiques les heures de cette époque. Les rues auront le pouvoir des plaies laissées dans ces usages. Seront ces scènes, les heures de cette époque seront dans cette règle. De cette mesure sera entendu les eaux et le feu ici même. Celui qui a accepté ce destin aura cette coutume qui sera les scènes de haine par les eaux, j'entends les noyer. Sera entendu le Messie, ici même par la connaissance. En été paraîtront les études de ces notes. Décryptage du quatrain numéro 5 de la quatrième centurie. Ce sera la ligne en bleu, à l'endroit. La connaissance de l'ère des mots de la Royale Croix sera de cette manière ici. Ce pouvoir deviendra des pages. D'anciennes pages décrites étaient dessous le bassin du premier sein. S'accomplira le premier accès phonétique qui deviendra le sommet. En tant qu'homme, le pouvoir de ce pli par la lecture sera l'idée de dire que tout cela est divin et viendra au XXIe siècle, les premiers vers en heure de Jésus-Christ. Les mots et les suites de mots prononcés par Dieu seront la connaissance de cette ère royale. Par cette manière ici, le pouvoir sera en page, inscrit les âges. Décryptage de la suite du quatrain numéro 5 de la quatrième centurie. La ligne soulignée en bleu, décryptage à l'envers. Le reflux de la mer, beaucoup d'eau. Dieu veut les heures de Jésus-Christ en mots et ensuite de mots prononcés. Se voudront ainsi les vers poétiques. Les heures premières viendront et diront l'idée divine. Viendront les premières lectures aux lèvres. Le pli sera lu, issu de cet ouvrage de vers, en mots pour les hommes. L'écho de la connaissance sera un haut sommet phonétique. Comme moi, le premier savoir sera saint et sera OBS. Sous cela sera la coutume ancienne. Par cette manière ici seront des excès. La connaissance haute de l'ère des mots de la Royale Croix, de cette manière sera la royale connaissance. En sachant le reflux de la mer, Dieu haut, le Verbe, Jésus-Christ, sera dans ses suites de mots prononcés en vers poétiques. Décryptage du quatrain 11 de la quatrième centurie.
ce sera la ligne en bleu à l'envers. Vous avez le pouvoir de mesurer la longueur de la liste. Ce sera le rôle des années là que vous avez. L'ère des mots, leur emplacement, l'origine des caractères à relire. La lecture des lits sera l'élection de cette lecture que vous verrez dans les villes. Les hommes avec l'argent feront de la terre une porcherie et souilleront nettement les conduites d'eau. Les réservoirs du nord seront des égouts, sales et ignobles. Repoussant sera votre devenir. Je vois la vie des gens en mauvaise grâce et déplaisir. Ils seront rouges. J'ai eu en Jésus les rues d'eau. Vous avez de nos notes hautes l'érudition. La connaissance au nombre de 12 sera seule scellée par les usages laissés ici. Vous aurez le pouvoir de la longueur en années. Ici, vous aurez par l'air des mots les heures. Décryptage du quatrain 32 de la 4e centurie. La ligne en bleu, décryptée à l'envers. Les hommes auront les yeux sur ce jeu de mots. Ce sera la lecture de la fleur de lys qui sera liée à ce don qui t'est donné dans cet art rare. Que tu as l'air des mots difficiles de ce don, tu as la phonétique ici par ce haut pouvoir. Les eaux ici auront le même soupir que ce pouvoir de la pire angoisse. Tu seras très affligé. J'ai effacé l'air des mots de la connaissance, de leur hache, et seront 7 thèmes de ce temps. Il faudra émettre par ce pouvoir tempête. Tu auras la coutume sous les yeux de ce jeu. Et tu as la lecture liée à la coutume d'Élie. Par l'élection de l'usage de lecture sera cette lecture liée. La liesse pour ces usages de Jésus sera dans l'usage de la connaissance. Les hommes connaîtront ce vieux jeu de mots de cette lecture liée au lieu. Décryptage du quatrain 40 de la 4e centurie. Ce sera la ligne écrite en bleu, décryptée à l'endroit. Tu mettras mes usages de Messie. Sera cette connaissance ici même de cette manière. Les cieux par la coutume pieuse et miséricordieuse de la thèse sainte, nettement te voir au 21e, venir le premier inné à voir les vers poétiques avec l'idée de mouvement, instruire et élever. Voir au 21e naître la hâte de cette thèse. Tes écrits de l'usage du Christ, ici même sera une thèse sacrée. Dans le crucifix, il faut croire. La coutume sera cela. Le sceau vient de haut. En haussant cette coutume phonétique, les sons auront la connaissance et savoir mettre l'usage. Sera ici le Messie. Décryptage du quatrain 43 de la 4e centurie. Le décryptage de la ligne en bleu à l'envers. Et l'air des mots sera très bas. La hâte pour ce thème de mes usages sera cet art rare. Cette arme par les mots a été mise pour le Messie. Le ciel a les yeux en larmes. Cet art remettra mes usages. Ce sceau élevé ici vient des yeux du ciel. Vous aurez nettement tout cela. Les heures pour les hommes serviront pour le grand heure de la terre. Décryptage de la ligne en bleu à l'endroit. Ici sera mis le sommet de la naissance du néant. À l'intérieur seront les scènes de la venue de l'être divin. Le dire et le voir venir sera au 21e siècle. Seront seuls scellés les usages où sont scellés mes dires, où sont mis mes usages en mots d'enfant. Ensemble et en commun mes usages du Messie, où l'on peut y lire cette lecture brillante. La connaissance seule ici sera scellée dans cette lecture. Décryptage du quatrain 49 de la 4e centurie. La ligne décryptée sera la ligne en bleu. Tu auras de ce devoir les notes et te rendre cette tendance. Les andes sur les dents sera à plat ventre, renversé et tombé. J'ai hanté ce temps et j'ai entendu les andes avoir deux dents. Et ensuite la peine, la tristesse d'enterrer. Sera fixé le couvert de la terre. La terre sera en terreur, seront les heures des races rasées. Vous connaîtrez les scènes qui naîtront par l'essai de la connaissance. Seront ces heures. Ayez ce pouvoir qui sera le thème, qui sera émis pour ce temps par le Très-Haut. Les eaux hautes, la neige, la géhenne des eaux. Tu es le premier de cette manière, par cette sortie-ci, à savoir cette sagesse. Ayez de moi le mage, vous aurez en mai le Messie. Maintenant l'âme sera mise en mai. Tu auras l'aise de la seule issue, de par la connaissance du temps. Décryptage du quatrain 96 de la 4e centurie. La ligne décryptée sera la ligne en bleu. Le pouvoir par cet art rare sera la raison phonétique. Tu as le pouvoir pour Rome et le remettre aux hommes en mettant de cette manière ici le Messie. Seront mes mots en mots d'enfant. Par moi, écoutez les moyens, par ma foi. Ici sera la prise de possession en cette année hantée. En tête, tes vœux.
de vouloir ici la clarté, la lumière des vers poétiques. En vérifiant ici, fera la certitude. En étant assuré et confiant, tu feras ce code, qui est voulu par le Très-Haut. En voulant l'épée de ce pouvoir pour toi, le compagnon égal, en cet art rare, ce sera la raison phonétique. Décryptage du quatrain 18 de la première centurie. Ce sera le décryptage de la ligne en bleu. Là, l'épée de ce pouvoir sera portée haute. De ta repoussante époque, nous te faisons ces heures hautes d'eau haussée des océans. Tu connaîtras les scènes des Andes, tu dois dévoiler la vision à haute voix. Nous entendons les îles souffrir. La lecture laissera l'usage qui sera cette nouvelle naissance de l'usage, qui sera l'essai du sauveur. Ici sera la volonté de l'ouverture des vers poétiques et des heures du grand heure, qui seront telles que l'épée sera sur l'épaule. En deux, se voudra la malédiction par la volonté des vers poétiques, seront les heures du grand heure, tu sauras cela. Tu auras un nouvel usage, qui sera cet été, tel en laissant les usages qui étaient couverts d'un voile. Tu verras et entendras cette haute lecture qui sera l'idée de l'aide, des décès. Tu sauras par cent scènes fortes, ignobles et repoussantes. Ce sera le pouvoir des eaux, l'épaule en eau levée, les eaux heurteront. Décryptage du quatrain 94 de la première centurie. Ce sera la ligne écrite en bleu. Là, lentement sera en nous. Cela sera les hautes visions. La volonté de voir la menace des eaux au-dessus des têtes. En étant semblable, le premier en équivalence pour sentir en Mars mon art de l'air des mots. Le pouvoir devra être séparé. En ayant eu l'air des mots, sera revu au XXIe siècle, d'où est venu le premier indice. Et dire ici même la dictée de la connaissance. Cet été pour les êtres de la terre leur sera remise cette émission des mots de votre repoussante époque. Lentement, nous de cela, les visions, nous avons eu la volonté de voir les menaces des hautes eaux. En deux, des mots par les eaux, vous aurez maintenant cette repoussante terre dont l'air sera en accusation. En été, tes thèses et tes essais de la connaissance, cette aide sera dite divine. Nous l'avons vu au XXIe, par le premier pouvoir de cet art de l'air des mots que j'ai remis, moi, en Mars. Tu auras cet art de l'air des mots qui seront pour le sauveur des eaux hautes, en ayant les vues par la volonté de voir la menace. Il faut vanter nos nouvelles, tout cela était couvert d'un voile. J'ai hurlé les mots, afin de faire savoir ces eaux hautes et repoussantes sur la terre en été. Décryptage du quatrain 12 de la deuxième centurie. Ce sera la ligne en bleu. En 1, les yeux sur cette coutume feront l'essai de la connaissance. La clé scellée par le Très-Haut a été ouverte. Les eaux haussées, tu seras sauveur. Pour cela, en ayant les vers poétiques en ces heures heurtées, tes thèses ont été cédées de Dieu. En ayant ces années nettement, tu doutes de ce code qui sera la volonté de voir la menace. Dans ces usages seront mes années hantées. Nettement, tu l'as fait le premier. En ayant les yeux sur ce jeu des mots, tu devras avoir les yeux sur cette coutume. En deux, j'ai les yeux sur ces usages. Je fis maintenant ce premier essai qui comprendra les années nettement. Tes codes seront une quête de la volonté de voir la menace, habillée par les idées de Dieu. Les heures heurtées de ton époque, tes thèses seront senties en années dans ces vers poétiques verrouillés. Votre époque sera en heure de supplice. Cela vous l'aurez par les eaux haussées. Sera de cet essai scellé la clé de lecture de cette coutume des cieux. Qui auront les yeux sur ce jeu des mots. Cet usage, je fis. Décryptage du quatrain 9 de la quatrième centurie. La ligne écrite en bleu. En 1, sera par la connaissance des heures. Vous aurez hâte pour la terre. Cet art sera raillé et haï, avec force et effort par la foule. J'ai de ce jeu de mots, par ce pouvoir du compagnon égal en cet art des mots, parlé à Arles, avec le Très-Haut. Ici, quand par l'aide, l'effort et vertu, vous prendrez possession des années nettes de cette thèse, tu seras sauveur de tout cela. Je vois y être cet essai de la connaissance par les usages. Dans cet essai sera la connaissance des heures précipitées de la terre. Les précisions, ce qui m'inquiète le plus avec cette révélation sera la compréhension des personnes à l'égard des avertissements contenus dans ces textes. Pourtant, il faut les rendre publics afin que chacun puisse garder son libre arbitre. Ceux qui voudront faire un abri souterrain le feront, ceux qui ne veulent rien faire, qu'ils ne fassent rien,
et ceux qui prévoient autre chose le fassent. Chacun sera mené par sa propre croyance ou son instinct. De tout temps, ce fut ainsi. Je ne fais qu'essayer de limiter des dégâts du futur. Ce sera aux hommes de se grouper entre eux, pour le meilleur et pour le pire. Décryptage de la suite du quatrain 9 de la 4e centurie, la ligne en bleu. Sera l'usage satisfaisant pour cet essai. Saisi ici de cette manière, je connais l'issue de la connaissance que je suis, et je vois être un sauveur haut, ayant les visions de cette manière. Ici tu auras 7 années de nudité, la coutume te fera l'usage. Allah ici sera haut, l'usage de l'usage apparaîtra par son compagnon égal en art des mots. Il parlera ici des notes. Le compagnon égal en art des mots parlera à Paris. Ici j'ai le jeu des heures. Leur hache, vous avez dans cette ère des mots artistiques en tête. La terre haïra ce jeu. J'ai de cet art tardif l'ère des mots resserré la connaissance et fait servir les heures où j'ai été errant. Maintenant sera la pleine mesure de l'usage qui deviendra cet essai de la connaissance convenable. L'usage suivra de cette manière, je le vois. Décryptage du 90 de la 4e centurie, la ligne en bleu. Vous mettrez les heures en ayant l'air des mots triés, ce qui laissera cet essai qui était haché. L'effet pour ce pouvoir puissant sera le réel relais laissé. Nous laissons les usages du sauveur par cette haute coutume et détenir par ma foi afin d'émettre ce message. Le messager aura nettement le thème qui mettra les heures de l'air des mots triés et l'air des mots y laisseront cet essai. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes, et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.